sun lay so brightly up in the summer sky. La mission du département de la Moselle en matière de lecture publique, c'est justement d'être la bibliothèque des bibliothèques. Être la bibliothèque des bibliothèques mosellanes, c'est les aider à proposer à leurs lecteurs les collections les plus riches possibles en apportant un complément. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon. 300 000 documents et ressources d'animation sont ainsi mis à la disposition du réseau, répartis au sein de la grande réserve départementale et de 4 espaces de choix sur le territoire. Les bibliothèques peuvent venir faire leur sélection en espace de choix ou réserver en ligne par le portail Mosellia. Les documents leur sont ensuite livrés sur place. Elles peuvent aussi obtenir un soutien financier pour acquérir de nouvelles ressources, y compris numériques. Être la bibliothèque des bibliothèques mosellanes, c'est aussi animer et valoriser un réseau de 153 structures réparties sur l'ensemble du territoire mosellan. C'est proposer un carnet d'adresses, une aide au montage de projets, des financements dans le cadre des temps forts départementaux, les insolivres, lire en fête, partout en Moselle, et instant magique en bibliothèque, encourager les coopérations. C'est aussi aider les bibliothèques à développer leurs partenariats avec d'autres acteurs culturels, sociaux et scolaires, par exemple à travers le concours Moselle Lire et le dispositif Esprit Livre. C'est aussi être le relais des actions des bibliothèques grâce notamment au portail Mosellia. Être la bibliothèque des bibliothèques mosellanes, c'est aussi être leur centre de ressources en matière d'ingénierie culturelle, s'assurer que chacune de ces 153 structures pourra recevoir l'appui dont elle a besoin. C'est proposer une offre de formation gratuite, thématique ou à la carte, pour aider les équipes dans la gestion de leur équipement. C'est offrir une expertise en matière de projets numériques, d'aménagement de locaux, d'élaboration d'un projet de service. C'est mettre en œuvre un accompagnement personnalisé pour chaque structure. Dans un souci de proximité et afin de mieux prendre en compte les particularités de chaque territoire, le département de la Moselle a créé 5 services territoriaux. Ce partenariat avec le département, c'est une grande richesse aussi, puisque ça permet non seulement donc un grand rayonnement des actions, le relais aussi des événements du département, vous les connaissez toutes et tous, ces grands événements. Et puis, par ailleurs, ça représente pour les bibliothèques du réseau vraiment un maillage avec bien un lien régulier et permanent pour tout ce qui est effectivement prêt de documents, avec ce système donc de relais et de navettes. Et puis, par ailleurs, aussi le relais des événements du département, là aussi qu'on a déjà cité précédemment. Alors, moi, je trouve que effectivement le fait d'être à la fois une médiathèque intercommunale et un pôle départemental de lecture publique est une grande richesse. Aussi bien quotidiennement pour les échanges professionnels de compétences qui peuvent avoir lieu avec les personnes. C'est aussi des échanges possibles sur tout ce qui est acquisition de documents. Ça permet d'enrichir, ça permet aussi de faire des découvertes. Et je pense aussi que pour les bibliothèques, où ici on est sur un territoire où nous avons essentiellement des bénévoles, c'est cette chance d'avoir un interlocuteur unique, de pas être ça c'est pas des missions de l'intercommunalité, ça c'est des missions du département. On a une réponse qui est effectivement adaptée sur au moins ces deux champs de compétences et ces deux collectivités, et ça permet également
Alors c'est sûr, c'est peut-être c'est la médiathèque. Ça devient la médiathèque avec ses compétences départementales et intercommunales. On est un service de la DLPB, donc on est en contact constant et on travaille ensemble les projets, bien évidemment. Et ça, c'est vraiment un vrai plus d'avoir le département à ses côtés pour développer ici localement des actions. Donc nous, on essaye d'être à la fois là sur Nilvange, sur la médiathèque même, d'essayer d'engager des actions qui soient un petit peu exemplaires, entre guillemets, en tout cas pour vérifier effectivement comment les choses peuvent marcher, si ça peut se développer ailleurs, et puis surtout essayer de faire travailler les gens ensemble. Là, on a donc une double mission, municipale et départementale. Donc les agents ici, qu'ils soient municipaux ou départementaux, ils interviennent sur les deux missions. Et le plus, c'est que ici, on a donc des agents qui sont au contact du public, qui ont l'habitude de mener des actions culturelles, de travailler sur le développement des publics. Et quand ils vont accompagner les bibliothèques pour les aider dans leur projet, forcément, ils ont de la pratique et ils savent de quoi ils parlent. Donc ça, je pense que c'est un vrai plus, effectivement, ce partenariat entre la ville de Nilvange le département de la Moselle pour le développement de la lecture publique, donc sur la commune et sur le nord du département. Cas unique en France, les agents de ces trois derniers services territoriaux participent au fonctionnement de la médiathèque intercommunale de Bitche et des médiathèques municipales de Créange et Nilvange. Cette double mission permet aux agents départementaux de partager les mêmes problématiques que les équipes qu'ils accompagnent. La bibliothèque des bibliothèques mosellanes, c'est la direction de la lecture publique et des bibliothèques, c'est 36 agents, c'est 5 services territoriaux, son service des publics et de la formation, son bureau de l'événementiel, son service des ressources et de l'innovation, tous à l'écoute du réseau pour l'aider à relever le défi de la lecture publique au XXIe siècle.